Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, j'écoute tous mes abonnés. Et j'avais donc plusieurs questions, dont une question de Amandine. Amandine, il y a 10 heures, je veux dire que je n'arrive pas à lui apprendre un nouveau visage. Merci beaucoup, vraiment super ta vidéo. Seulement, je pense qu'il pourrait être intéressant de faire un tutoriel sur la reconnaissance de visage. En effet, je ne sais pas pour les autres, mais je n'arrive absolument pas à reconnaître un nouveau visage avec cette application. Voilà donc comme d'habitude, je vais écouter mes abonnés, je vais t'écouter Amandine. On part tout de suite sur un tutoriel avec Seeing AI qui vient d'être tout juste mis en français. J'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet. Je trouve vraiment cette application extraordinaire pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on va traiter dans cette vidéo la reconnaissance de visage puisque aujourd'hui avec les personnes non-voyantes et les nouvelles technologies et sur vision high-tech, on a des grandes possibilités. Je vais vous montrer donc comment faire reconnaître des visages et par exemple lors d'un repas à Noël, lors d'une manifestation en famille, vous allez pouvoir diriger votre iPhone une fois que vous aurez reconnu l'intégralité de la famille et savoir qui vous avez à votre droite, en face ou à gauche de vous. Alors merci de liker cette vidéo, de partager au maximum l'iPhone iOS 13 et la reconnaissance faciale. C'est sur Vision High tech. A tout de suite donc, pour la suite de ce tuto. Et surtout, pensez à liker et à vous abonner pour continuer à m'encourager. Puisque oui, c'est ça, mon moteur, c'est vous. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors bien sûr, vous avez deviné, on va donc parler de l'application Seeing AI, qui est donc l'application Microsoft qui vient tout juste d'être francisée et quel bonheur cette application puisque imaginez-vous être en difficulté visuelle, malvoyant, ayant une maladie orpheline comme la neuropathie optique de Leber, comme la DMLA, comme les rétiniques pigmentaires, enfin tout un tas de maladies qui ne permettent plus de Reconnaître des visages. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pour l'avoir vécu, c'est très difficile. Voilà, donc cette application résout un de ces problèmes. Et je vais vous montrer comment reconnaître des visages. Ici, je vais lancer par exemple l'application. Tout en bas, on a donc un bandeau. Tout en bas, on a un bandeau chaîne. Et, chaîne, texte. et je vais me positionner sur la chaîne... Personne. Et je vais me positionner sur la chaîne. Personne. Et attention, moi, ma famille, c'est pas n'importe qui. Regardez, écoutez... Personne. Quand j'y ai à proximité de Center, à moins d'un mètre. Alors j'ai Kenji Jira qui est juste en face de moi, à un mètre de moi. Je l'ai reconnu grâce à une photo sur Internet. Et ici, on va passer par une autre photo, vous allez voir. Ici, je vous ai remis donc une autre photo que j'ai été rechercher sur internet. Et comme je vous ai dit, ma famille est grande et c'est pas n'importe qui, vous allez voir, attention. Un visage à, pro Céline Dion à, proximité, de, un visage à proximité de Center. Céline Dion est proximité de Center à 1 mètre. Et voilà, maintenant j'ai Céline Dion à 1 mètre. Donc que pensez-vous en fait de cette reconnaissance de visage grâce à l'iPhone Ça va permettre à beaucoup de personnes. À par exemple, des personnes qui perdent la vue tardivement, des personnes qui n'ont plus qu'une perception lumineuse, qui n'ont plus de possibilité de voir des visages, et eh bien, grâce à votre iPhone, grâce à Sign AI, vous allez donc pouvoir savoir à qui vous parlez, qui c'est que vous avez à droite, à gauche. Mais avant toute chose, il va falloir les nommer. Et pour les nommer, on va donc se diriger sur l'application Personne. Personne. Et si vous partez tout en haut à gauche, on a bien le bouton. Donc, si on part tout en haut à gauche de l'iPhone, on a le bouton Menu. On part maintenant à droite en faisant comme d'habitude nos petits pitch. On a donc aide rapide. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. On va le tester. Vous allez voir sur Céline Dion. Traitement en cours. Femme de 35 ans avec le blond qui semble être neutre. Voilà. Donc, quand on fait prendre une photo, on peut l'enregistrer, la partager. Et lorsqu'on prend une photo d'un visage, il nous explique femme de 35 ans, etc. Nous, ce n'est pas le but de la vidéo, on veut reconnaître une personne que je vais tout de suite d'ailleurs mettre sur l'écran, et on va la reconnaître par la suite. Donc prendre une photo, c'est simplement pour savoir quelle personne se trouve en face de nous et comment est faite cette personne. On continue vers la droite. Reconnaissance faciale. Bouton. On a donc un bouton Reconnaissance faciale. Suspendre les annonces. On peut donc suspendre les annonces pour éviter d'être trop perturbé quand il y a trop d'annonces. Basculer sur l'appareil photo avant. Bouton. Et vous avez le bouton basculer sur l'appareil photo avant ou arrière. Puisque c'est important, et lorsqu'on n'y voit pas, on peut par exemple pointer quelqu'un et se dire pourquoi on ne voit pas cette personne en fait. Donc ici, on va pointer toujours l'appareil photo arrière pour avoir donc notre iPhone face à nous et avoir la personne sur l'appareil photo arrière. Donc on revient sur. On faciale. Bouton. Sur reconnaissance faciale. Je le valide. Ces personnes peuvent être reconnues en tête. Ici, j'ai fait une reconnaissance de différentes personnes et le bouton qui va être intéressant va se trouver tout en haut à droite. Ajouter. Bouton. Et ce bouton porte le nom Ajouter. On va tout de suite le taper, mettre une photo en face de nous et reconnaître cette personne. Et comme je vous avais dit que je connaissais vachement de monde, on va reconnaître ce visage. Donc je suis sur le bouton Ajouter. Ajouter. Je le valide. Tech picture, bouton, sur un visage à proximité de center à moins d'un mètre. Donc ici il, il me dit un visage à proximité à moins d'un mètre. Maintenant je vais me positionner sur le bouton. Tech picture, bouton. Tech picture. Lorsque je suis sur le bouton tech picture. Il faut que je prenne trois photos consécutives pour avoir cette boîte de dialogue. Alors je tape Tech Picture une fois, -picture. deux fois. Champ de texte. S'il Champ de texte. Modification en cours. Entrez le nom de la personne. Mode mot. Point d'insertion au début. Voilà. Donc comme vous venez d'entendre, au bout de trois prises de photos, j'ai une boîte de dialogue qui s'offre à moi et qui me demande d'entrer le nom de cette personne. Je vais tout de suite le dire, vous allez l'entendre. Et bien sûr, pour me servir de la reconnaissance vocale, double tape avec deux doigts et je pourrai dicter le nom de la personne. Jean-Jacques Goldman. Insertion de Jean-Jacques Goldman. Donc je retape deux fois une fois que j'ai terminé. Mon nom est mis. Maintenant, je vais donc sur mon clavier, sur le bouton en bas à droite du nom de. Terminé. Terminé. Maintenant, mon nouveau contact, mon nouveau visage est mis dans ma base. Je reviens en arrière. Jean -Jacques Et voilà que Jean-Jacques Goldman vient d'arriver tout juste chez moi. Salut Jean-Jacques, comment tu vas Par exemple, quelqu'un s'approche de moi, je ne sais pas qui c'est, je mets mon iPhone devant. Je connais donc vraiment beaucoup de monde, c'est Jean-Jacques. Alors salut Jean-Jacques, je vous le présente, vous devez tous le connaître. Jean-Jacques... Jean-Jacques Goldman Jean de... Jean est... Est... est là, prêt à vous parler. Et moi, donc, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire de la reconnaissance de visage. C'est super important. Ça peut aider beaucoup de monde. Cette application Seeing AI peut vraiment redonner goût à la vie à beaucoup de gens. Surtout, n'hésitez pas à la partager. Regardez ce qu'elle peut faire. Grâce à cette application, grâce à votre iPhone, vous allez pouvoir savoir qui vous entoure un père une mère une grand-mère un grand-père un frère une soeur enfin toute la famille tous les gens que vous aimez et ça c'est grâce à la chaîne Vision Hightech qui partage des solutions d'accessibilité et qui j'espère vous aide au quotidien merci à vous de prendre toujours un peu de temps sur ma chaîne de vous abonner c'est super important ça m'encourage c'est vraiment vous le moteur de la chaîne Vision High Tech de liker cette vidéo surtout je vous souhaite de passer des bonnes fêtes d'avoir plein de cadeaux high-tech. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et encore un grand merci à vous d'avoir pris tout ce temps jusqu'à maintenant. On a dépassé les 33 100 abonnés. Vraiment un grand merci. Continuons tous ensemble. Partageons. Instagram. Continuons à partager tous ensemble. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous de m'accompagner. Bonne fête et à bientôt.